Hello, nous, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Tesla Grad aujourd'hui. Et je sais pas quoi vous dire en intro, si ce n'est que je ne sais pas si mon pouce va pouvoir tenir, parce que ceux qui m'ont suivi sur Twitter sont peut-être au courant, mais ce week-end j'ai fait des travaux. Et avec les travaux, malheureusement, je me suis mis un petit coup de cutter sur le pouce. Ce qui fait que le passage vers le saut puis le dash n'est pas forcément facile sur la manette. Alors si, ouais, juste pour répondre à une petite question, il y a des personnes qui m'ont demandé savoir si jamais j'ai joué sur manette, si j'ai joué sur clavier. Je n'ai pas testé le jeu sur clavier, enfin si au tout début, mais comme j'avais une manette à disposition, et que pour moi c'est un jeu qui se joue un petit peu plus à la manette qu'au clavier, je me suis pas trop posé la question, j'ai pris la manette et puis je joue avec la manette. Allez hop, on va partir directement sur notre partie et on va voir ce que ça donne. On en était où? On était avec les bubules, avec les bouboules comme ça, où il va falloir faire du hop. Ok, là on prend du rouge. Hop, on prend le bleu pour monter. On va rester avec le bleu le plus haut possible. Allez. Faut tomber maintenant. On reprend le bleu pour se coller au-dessus. Ouh, c'était tendu. Allez hop, on va au plus haut. On reste avec le bleu. Allez, s'il te plaît. Non, pardon, c'est du rouge. Autant pour moi. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok. Écoutez. Un nouveau tableau. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Rien. Pour voir juste si ce tableau... ce tableau ne nous raconte rien. Si ce n'est qu'il est joli. Avec un monsieur qui lance une hache, on dirait... un petit bonhomme, ça me fait penser un petit peu à... mon voisin Totoro. Ah ouais, je me rappelle cette salle. C'est du saut, donc il va falloir s'attendre à du fail. Parce que je crois que dès qu'on tombe, eh bien, il faut tout se renvoyer. On va essayer de pas tomber lamentablement. Ouais, c'est ça. C'est du saut. J'essaye de me concentrer et rater. On va peut-être prendre un petit peu plus de vitesse. Raté. Il faut faire le dash vraiment au dernier moment. J'aime beaucoup ces jeux de lumière qui en font. Oh, trop bas là. Je trouve ça super sympa avec l'espèce d'aura. D'aura de poussière. J'aime beaucoup tout le temps cette ambiance qui se dégage de ce jeu. Je trouve ça là, très propre, très... Oh non, là, Kalan. What? Il y a un truc au-dessus qui me permet de... peut-être de rallonger mon saut. Non, apparemment non. Hein. What? Mais c'est quand même chelou, ça. Allez. Je comprends pas tout, là, pourquoi je passe pas sur celui-ci. Ce qui m'embêterait, c'est que j'ai raté... un item. On va en profiter pour faire un méga saut. J'avais pas vu qu'on pouvait le magnétiser, ces trucs là. Ouais, bon, si jamais je fais le rouge pas au bon moment, ça marche pas. Hein. Non, mais... pourquoi il m'a pas fait méga saut? Bon. Je suis une quiche. Bon, vive les ellipses. Je pense avoir trouvé la solution. Il faut faire un petit mouvement de balancier ici. Et voilà. Là, normalement, comment ça passe? Alors, on va prendre le bleu. Je fais pas le dash, ça marche pas. Allez, on va le faire.
Donc là, il faut se balancer. On va balancer le truc au mieux. On attend un peu. Mais pourquoi il me prend pas le saut? Ah, satané. Ton toto. Yes. Ah, je l'ai fait, 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 je l'ai fait. Ah, on va découvrir un nouveau tableau ici. Ouais. Mais tableau en fait qui reste totalement inactif. C'est bizarre. Alors, on va déjà voir au-dessus, je peux pas monter. Bon, on pourra peut-être monter plus tard. Pourquoi ma cape a changé de couleur? Bizarre. D'accord. Qu'en fait, la cage n'est là que pour le l'empêcher de revenir. La cape, la boîte. Ouais. Je pense que ça doit être un truc pour les bonus, ça. Comme on a dit la dernière fois, les bonus, ça m'est un peu égal. Alors. On peut monter, on peut pas monter ici, donc on va aller en face. Et en face, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, si jamais j'appuie ici, il se passe quoi? Ouais, ben je pense qu'en fait effectivement. Bon, faut peut-être retourner dans l'autre salle. Et il y avait peut-être un truc à récupérer de l'autre côté. On va essayer. Non. Pom pom pom. Espérons qu'il y ait quelque chose au-dessus à attraper. What? En fait, c'est une course contre la montre. Raté. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Ah, raté. Il a appuyé au mauvais moment, le coquin. Parce qu'en fait, il faut monter. Une fois qu'on est en haut, en fait, je vais pas passer. Regardez. En fait, une fois qu'on est en haut, c'est lui qui va nous empêcher.
Enfin, qui va nous faire remonter les trucs pour qu'on puisse passer. Voilà. Donc il va activer les deux. Qui vont nous permettre. Allez. Travaille, petit bonhomme. Travaille, travaille. Voilà, merci. Juste pour un papyrus. Ouais, cool. Bon, c'est un petit peu ce dont je me doutais tout à l'heure. Et il va falloir voir par où passer là. Ça devient un peu compliqué. Parce que là, à moins que j'ai raté quelque chose ici. Ici, j'ai activé un bouton. Le bouton n'a rien fait. On va tester, voir peut-être il y a une... Non, ça c'était la plaque qu'on a ouverte tout à l'heure. Oui, ça... C'est le monsieur qui nous a embêtés pendant des heures et des heures. Donc c'était pas ça. Il doit peut-être y avoir une solution. Mais où? Mais où? Mais où? Tout, 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 tout. Ça c'est ce qu'on vient de faire ici là avec lui qui nous a embêtés tout le long. Là ici, mais c'est la salle qu'il y avait là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un passage de l'autre côté? Ah, ça m'embêterait de tomber ici. Oh, c'est encore un papyrus. Bon, je crois qu'on va faire une petite ellipse ici. Et on se retrouve dès qu'on est dans l'autre salle. Bon, nous revoilà dans cette salle ici, où effectivement on n'a rien de particulier. Je suis assez interrogatif là, je comprends pas tout. Bon, ce tableau ne s'active pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres salles peut-être au-dessus? Non, apparemment. On a activé le bouton ici, qui ne nous fait strictement rien. Bon, je crois qu'on va avoir une très très longue ellipse le temps que je trouve une solution, parce qu'en fait, ouais, juste pour la petite particularité, cette partie-là, en fait, là, j'ai dépassé la partie où j'étais en solo, donc ça explique pourquoi je bute un petit peu sur les énigmes, et je pense que je vais le faire comme ça, ça me permettra de pouvoir découvrir le jeu en tant que vous, et de réellement être étonné dans le bon sens du terme. Donc du coup, on va faire une petite ellipse, et on va essayer de trouver la solution à cette énigme que nous propose le jeu. A tout de suite. Ouais, nous revoilà ici. En fait, je crois que j'ai trouvé la solution. C'est tout con, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis avec la truc bleue. Et en fait, ce truc bleu, voilà, il faut que je me magnétise en bleu et que je le fasse sauter au-dessus. En fait, je me suis rendu compte en prenant le rouge ici, en sautant. Je me suis rendu compte que j'étais attiré sur l'autre. Je me suis dit, bah oui, mais couillonne que tu es. Donc, du coup, ici, il va polariser en bleu. Du coup, on va le mettre en bleu. Ce qui nous permet de passer ici. Qu'il aille jusqu'au bout peut-être. Non, raté. Allez, fais ton aller-retour. Voilà, histoire que tu sois pas bloqué. Hop. Fais ton chemin de l'autre côté. Après, est-ce que tu vas me faire quelque chose ici? Peut-être que tu vas aller là.
Ouais, va polariser celui du bas. Ouais, je crois qu'on a trouvé l'énigme. Du coup, en polarisant peut-être celui du bas. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Ok, ça fait monter le tout. Et ça me permet de descendre. Donc moi, je vais la repolariser dans l'autre sens. Pour passer. Oui, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous avons résolu ce tableau. Alors, quel est celui-ci maintenant? Hop. What? Oui, et pourquoi je ne peux plus passer? J'ai pas bien compris. Oh, non, t'es sérieux? Waouh, ça c'est du timing. Il va être tendu celui-là, il va être tendu. Ouf. On va essayer peut-être de l'activer par ici. Ouf. Non, 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 reviens, 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 reviens. Ok, viens doucement. Stop. Avance encore un peu. Oh, c'est génial toutes ces mécaniques de gameplay qu'il y a. Ah, ce jeu me régale. Oh, excellent. Et puis, j'ai bien fait le saut. Je suis monté directement sur le tableau suivant. Oh, c'est du millimétré. C'est du millimétré ici. Allez. J'atteins ici, je vais voir parce que là le truc je pense qu'il va monter. Ah non, il nous la renvoie au bout. Ok. Oh mais. Oh, comme il est tendu celui-là, mais c'est pas possible. Par où on va passer ici? Alors. Allez, viens ici, mon petit. Viens, 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 viens. Comment on va passer là-haut? Est-ce que je suis toujours sous l'influence du bleu? Non, je suis plus sous l'influence du bleu. What the strength? What, what, what? Parce que là. Non, ça passe pas. Je pense avoir une petite idée. Je pense qu'il faut jouer vraiment avec celui-ci. Allez, va jusqu'au bout, en espérant qu'on ait réussi à le faire envoyer. Yes! Je suis bloqué maintenant. Mais j'ai trouvé l'idée. J'ai trouvé l'idée en fait quand il va passer au-dessus. Ouais, c'est ça. Alors, on se suicide, mais l'idée elle est là en fait. C'est il faut que je fasse vraiment monter la boîte jusqu'en haut. Faut que je fasse monter la boîte jusqu'en haut et que celle-ci me permette de pouvoir passer là-bas. Alors, on va lui donner maximum d'énergie. Alors, passe, 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 monte, 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 tu peux le faire, yes.
Ah, il faut être réactif par contre ici. Bon, il faut que je m'active plus sur le premier passage. Ouh, il est étendu celui-là. Hop. Allez, allez. On va te donner un petit peu plus d'inertie. Ok. Espérons qu'il en aura assez pour monter. On va directement se positionner ici. Ouais, j'ai peur qu'il n'en ait pas eu assez. Bingo, il en a pas eu assez. Ah! Waouh, ça commence à devenir super sympa, j'adore. Allez hop. Là, je fais la caca. Bon, là, je crois que je l'ai bien géré. Yes! Yes, 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 yes! Il était bon, celui-là. Ouchou. Alors. Ah, ce mécanique avec les boules, c'est terrible. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer ici. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer ici. C'est pour ça qu'on va se laisser ici pour cet épisode. Le temps que je réfléchisse un petit peu dans mon petit cerveau à savoir comment on met en place tout ça. Parce que là, c'est un peu... Waouh, j'adore. J'adore, j'adore. Allez, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vert ou même rouge si vous voulez. À partir du moment où c'est ce que vous pensez, ça me convient. Mais du coup, on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes de Tesla Gra, Dolly Cube, etc., etc. Vous commencez à me connaître, à savoir les séries qui sont sur ma chaîne. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Portez-vous bien, les amis, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao!